La cérémonie du traditionnel arbre de Noël des enfants de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, a eu lieu le samedi 22 décembre 2018 à la Maison de la Presse au Plateau Abidjan en présence des parents journalistes et leurs enfants. À cette 7e édition de l'arbre de Noël, environ 500 enfants de journalistes ont reçu des cadeaux. C'est très important pour permettre à nos enfants de s'amuser avec nous, au moins une fois dans l'année. C'était très important d'organiser ce table de Noël. Chaque jour, on est en train d'accompagner les hommes politiques aux tables de Noël de leurs enfants. Il était bon que les journalistes eux-mêmes organisent quelque chose pour les enfants. C'est le sens de cette cérémonie. Les enfants des journalistes se sont bien amusés en profitant de plusieurs jeux à ce grand arbre de Noël. La course dans le sac, le karaoké, la danse avec les parents en présence de leur tata de cœur, Naomi. L'innovation de cette année fut le concours Miss Noël 2018 et le bagnon de Noël 2018. Les enfants très heureux souhaitent encore revivre ce moment les années à venir. Je suis heureux d'être Miss. Je suis content que Père Noël me donne des cadeaux. Je dis merci à l'invité. Ce cadeau me plaît, c'est joli et j'aime très fort. Je vous remercie, je vous dis joyeux Noël. Le Père Noël m'a donné un cadeau et je suis très content. Et je veux que ça se reproduise chaque année que Dieu le fait. Les parents, quant à eux, saluent cet esprit d'unité et de rencontre que suscite l'arbre de Noël des enfants des journalistes. Je félicite le président MT avec toute sa team. C'est une occasion qui nous permet de nous connaître les uns et les autres, connaître les différents enfants et passer vraiment un moment de bonheur avec nos enfants. Tata Naomi les a égayés. Dieu merci, ils sont tous contents. Et tous les enfants repartent avec des cadeaux. C'est dans une bonne ambiance entre parents et enfants qu'a pris fin l'arbre de Noël 2018 de l'UNJCI. Nous vous souhaitons un joyeux Noël.